le tirage au sort relatif aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qu'en 2023. Les studios de la chaîne Supersport, à Johannesburg, ont abrité ce mardi 19 avril le tirage au sort des groupes de qualification de la CAN 2023, qui aura lieu en janvier et février 2024 en Côte d'Ivoire. Pays organisateur, la Côte d'Ivoire est d'office qualifiée pour la CAN de l'hospitalité. L'ancien international ivoirien et ancien joueur de Chelsea, Lille ou encore du Hertha Berlin, Salomon Kalou, et le sud-africain Lucas Radebe ont eu la lourde responsabilité de placer les 48 sélections dans 12 groupes de 4. 48 équipes dans 12 groupes. Groupe A, Nigeria, Sierra Leone, Guinée-Bissau, Sao Tomé et Principe ou Maurice. Groupe B, Burkina Faso, Cap-Vert, Togo, Eswatini. Groupe C, Cameroun, Kenya, Namibie, Burundi. Groupe D, Égypte, Guinée, Malawi, Éthiopie. Groupe E, Ghana, Madagascar, Angola, Centrafrique. Groupe F, Algérie, Ouganda, Niger, Tanzanie. Groupe G, Mali, Congo, Gambie, Soudan du Sud. Groupe H, Côte d'Ivoire, Zambie, Comores, Lesotho. Groupe I, RD Congo, Gabon, Mauritanie, Soudan. Groupe J, Tunisie, Guinée équatoriale, Libye, Botswana. Groupe K, Maroc, Afrique du Sud, Zimbabwe, Libéria. Groupe L, Sénégal, Bénin, Mozambique, Rwanda. La Côte d'Ivoire qualifiée d'office. Pays organisateur, la Côte d'Ivoire est d'office qualifiée pour la CAN de l'hospitalité. Les matchs de la Côte d'Ivoire seront donc comme des matchs amicaux qui permettront au nouveau sélectionneur de bien faire ses recadrages. Les deux premières équipes de chaque groupe se qualifient pour la CAN 2023. À noter que 4 journées devaient avoir lieu entre fin mai et début juin et les dernières, en septembre. Néanmoins, les pays participants à la Coupe du Monde 2022 se sont plaints et la CAF a décidé de les écouter et d'adapter son calendrier. Lire aussi affaire enquête d'intégrité FIFA, quand je serai élu, ce qui va arriver après on va en parler. Sorry Diabaté. Journée 1 et 2, entre 30 mai et 14 juin 2022, journée 3 et 4 19 à 27 septembre 2022 et journée 5 et 6 20 à 28 mars 2023.